Hey coucou! Alors il y a une meuf trop gentille qui m'a envoyé une musique sur Instagram. Elle m'a dit Laetitia, faut absolument que tu vois ce clip, machin machin. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit oui, effectivement, je pense que c'est un clip qui pourrait me plaire. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le découvrir avec toi. Ce clip s'appelle Foufoune. Et donc nous allons le découvrir ensemble. I love sleazy. Dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, foufoune, tu parles trop, foufoune dans ta bouche, sous le bureau, foufoune dans ta bouche, t'es accro. Ce clip, bon j'ai vu que 53 secondes, hein, je sais pas. Ce clip est magnifique. Voilà. Déjà j'aime l'ambiance, j'aime le côté sobre, j'aime le côté décalé. Je connais pas cette fille qui chante, qui s'appelle, cette femme qui s'appelle Mara. Mais déjà j'aime beaucoup son prénom parce que Mara ici ça veut dire maravillosa, c'est la contraction, ce qui veut dire merveilleuse. Et elle a l'air merveilleuse. J'aime que ce soit un clip super girl power. J'ai adoré qu'elle ouvre ses cuisses et que dans sa foufoune il y a une lumière. Ça me fait penser d'ailleurs à un clip brésilien qui parle exactement de la même chose. Enfin, qui parle de se faire lécher la chatte, oui, qui parle de foufoune dans la bouche. Et il y a aussi cette scène d'une meuf qui ouvre les cuisses comme ça. Il y a un mec en face, elle ouvre les cuisses et il y a une lumière qui jaillit comme ça. Pour l'instant, j'aime bien. Sou princesa da favela e minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. J'aime bien les petites références dans toutes les images. Je trouve que pour l'instant il est absolument pas vulgaire, qu'il est drôle, elle est marrante. On va voir. Le tarot, foufoune dans ta bouche. Moi je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Toi t'es en défense. Foufoune dans ta bouche. Ah, t'as vu la maillotte qu'importe? C'est le même modèle que je vendais sur mon site. Je crois que vous l'avez pas encore en France, mais c'était super la mode au Brésil, cette forme là. Ici, peut-être vous l'aurez l'année prochaine. J'en ai encore quelques autres sur mon site d'ailleurs. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune. Chat, 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 miaou, chat, 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 miaou. Faisant sur tous les rentés, on fait pas que de la trap, clap. Ambiancé, on aime quand le boutique clap, clap. Nous arrêter, mais t'es qui toi, on s'en tape, tape. Ah ouais, à skip, y'en a qui veulent se frappe, frappe. Hein, ça fait comme Booba et Carly. Sur le ring, coup de boule, j'ai gardé. Ring, ring, voilà la police, stop. Wine pon de coquille. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta. Pour l'instant, ce que j'aime, c'est que dans son clip, il y a vraiment plein. Il est très inclusif pour le moment. Parce que je vois des mecs, des meufs, des filles de plein de styles différents. Là, je vois une meuf, elle n'a pas de soutif et elle a son sein qui n'est pas genre le sein tout refait, tout dur, tout en rond qu'on a l'habitude de voir. Il y a des femmes avec plusieurs poids différents, il y a des femmes de plusieurs couleurs différentes, il y a des mecs pareil, c'est pas que des mecs qui répondent un peu au canon de beauté, machin machin. Pour l'instant je trouve vraiment chouette son clip, c'est simple mais c'est vraiment cool. Dans ta bouche, foufoune, dans ta bouche, foufoune, ouais, dans ta bouche, foufoune, ouais, dans ta bouche, foufoune. Écoute,
Mais en tout cas, j'aime beaucoup le clip. Je le trouve propre, simple, efficace. Je pense que c'est une musique qui reste dans la tête, qui est marrante. Je sais pas si elle marche ou pas en France. Elle est sortie... Ah oui, non, elle est sortie il y a longtemps. Elle est sortie le 27 novembre 2019. Je sais pas si vous la connaissez, si elle a été connue ou pas connue, vu que j'habite pas en France. Elle a fait quasiment 300 000 vues. Je ne me rends pas bien compte si c'est beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, je la trouve trop marrante. C'est le style de meuf que j'aimerais bien aller voir en concert, histoire de passer une bonne soirée. C'est le style de musique que je peux mettre dans ma maison tout le temps. Ça peut être complètement l'hymne de mes voyages féminité sororité. Et je vois bien toutes les meufs danser sur un foufoum dans ma bouche. Je trouve que c'est chouette d'avoir des meufs comme ça qui osent aborder ce genre de sujet. Alors c'est pas une vidéo profonde, on est d'accord, mais elle parle de se faire lécher la chatte et je trouve ça bien parce que dans beaucoup 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 de musique on voit des mecs qui parlent de se faire manger la bite, et ben nous on a des meufs qui parlent aussi de ça. C'est vraiment chouette. Et j'ai vu qu'elle a fait d'autres musiques, je vais aller voir. Je ferai pas des vidéos sur les autres musiques, mais je vais aller voir. Et voilà, je suis bien contente. Merci à la meuf d'Instagram qui m'a envoyé cette chanson. Je vous fais des gros gros bisous. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans ce style-là. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Je vous fais des vidéos un peu comme ça là parce que c'est l'été et que j'ai envie de vous faire des trucs un peu plus légers. Mais si vous pensez que ça vaut la peine de continuer de le faire après, on va découvrir de la musique ensemble. Ok, ah oui. Et si jamais vous voulez découvrir une musique brésilienne, parce que vous me le demandez dans les commentaires, sachez que je fais aussi des réactions, des découvertes comme ça de clips sur ma chaîne brésilienne et tout est traduit en français. Donc allez-y, ok. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous fais des gros gros bisous. Ciao.